Puis un deuxième jour, on a réussi à plier la tente. C'était plus facile que la montée de la tente. Un temps magnifique. Vous êtes chaud, les Nico? Là, on est parti sur les crêtes. Enfin, bon, on va faire toutes les crêtes là. On va faire la tête de mouette à 2005 et après le mont de Vie en face aussi encore. Ça va être bien sympathique, je pense. J'avais un peu peur que l'accès soit pas bon, mais apparemment ça passe. On est à la tête de mouette et on a une vue pas trop mal. Sur Mont Blanc, sur la falaise. Sur nos coins, on était là-bas cette nuit. Le Mont Buet. Position digne des plus grands randonneurs. La position vertige. La position vertige digne de l'approche. On vient de pique-niquer ici avec cette petite vue encore bien sympathique et on va partir. On a déposé les sacs, on va partir au col de Salenton qui a 2008 normalement. Magnifique névé, pardon. On va arriver au col de Salenton. On nous a dit qu'il y avait des bouquetins au-dessus, une dizaine. On va aller voir ça. Nico, il peut déjà aller trop vite. On va impressionner le moniteur. Le petit camp pour ce soir. On profite des derniers rayons de soleil. Bon, eh bien, nous allions manger, mais il a commencé à pleuvoir. Donc, on s'est arrêté, on s'est mis sous la tente. C'est quand même un peu frais. Hein. Et là, on a recommencé, il commence à faire un peu plus beau. Le ciel bleu. Je m'en fous, je mangerai.
Et on a tenté de refaire un petit coup, mais il repleut. Je crois qu'il va pas pleuvoir beaucoup. Pourtant, il a fait tellement beau aujourd'hui. Bon, ouais, il s'est remis à pleuvoir du coup. C'est moche. Ils ont réussi à faire leurs pattes. Les miennes sont là froides. C'est malou. Parce que t'as quand même ta gamelle. J'ai ma gamelle. Enfin. Ça, on va pouvoir les laisser dehors, ça va les laver. Très bonne remarque. Oui, oui. Oh, le Vatican, en Italie. Les deux.